est-ce qu'elle est passée, cette proto-relique ? Par ici ! Oh, mon preux chevalier ! Votre princesse vous attend ! Venez vite ! C'est le capitaine, ça ! Je rêve pas ! Qu'est-ce qui nous fait encore, celui-là ? Chers alliés, s'il vous plaît, aidez-nous à sauver le capitaine ! Si jamais il venait à disparaître, nous serions perdus ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Malheureusement, nous ne sommes que les pions d'un jeu. En temps normal, tout ce que nous pouvons faire, c'est attendre sur le plateau que quelqu'un joue. Mais ça a changé quand le capitaine est apparu. Par miracle, nous sommes soudain devenus libres d'agir à notre propre guise. Depuis qu'il est avec nous, chaque jour est plus passionnant que le précédent. Je vous en supplie, nous avons besoin de lui. Bordel, qu'est-ce qu'on fait ? Si on veut récupérer la proto-relique, il faut sauver le capitaine. Donc, on n'a pas le choix. Question.
Ce trésor appartient à nul autre que moi. Je n'ai jamais eu la moindre intention de vous le céder. Capitaine ? Rejoignez-moi, mes braves. À présent que j'ai recouvré mon trésor, je suis invincible. Et ensemble, nous bâtirons un empire. Capitaine, attendez-nous ! Capitaine ! C'est comme ça qu'il nous remercie de l'avoir sauvé. D'après les combattants de Fort Condor, ce phénomène a commencé avec l'arrivée du capitaine. Ils disaient qu'ils étaient devenus libres d'agir à leur guise. Ils avaient l'air tellement heureux. Je les comprends. Je me souviens encore de ce que j'ai ressenti quand j'ai été libérée de Hojo. Le capitaine est probablement pour ses combattants ce que Cloud a été pour moi. Il est sans doute devenu leur symbole d'espoir. Ouais, pas maintenant. Il les a embrigadés. Il faut qu'on récupère la proto-relique. Certes. J'ai déjà localisé son nouvel emplacement. Parfait. Allons-y.
Quel talent! Moi qui croyais avoir tout vu! Je pensais pas tomber sur quelqu'un d'aussi fort. Toi, je m'étais clairement fourvoyée. Et j'en suis bien contente. J'ai beaucoup de... J'aurais certainement fini par m'échouer d'ennui quelque part. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Je crois que je vais rester un peu ici. Et en profiter pour peaufiner mon jeu. Regarde. Alors, tu veux jouer? Si tu perds, c'est 3 kills, hein? De t'affronter maintenant. Je vais te venger, Devin. Tu vas voir.
Ça veut dire qu'on n'aura pas nos trois guilds. Attends, si je me souviens bien, la promesse, c'était qu'il nous donnerait trois guilds si on perdait contre lui, non? T'inquiète, c'est une blague. Ok, on a perdu, mais la prochaine fois, on te battra et on les aura, ces trois guilds. En tout cas, c'est quand tu veux pour rejouer contre nous. Ouais, mon talent vous a tapé dans l'œil, c'est ça? Ou bien vous avez entendu qu'il existait quelqu'un d'aussi doué aux cartes qu'à la chanson et vous vouliez me rencontrer? En tout cas, si vous êtes là pour me recruter, je veux bien vous faire l'honneur de signer chez vous. Ça va, merci. Oh, vous n'êtes pas un fan ni un agent, c'est ça? Mais dites-le enfin! Vous vous tenez devant Neil, grand joueur de cartes, guitariste et futur star mondial. Un jour, vous pourrez vous vanter d'avoir disputé un match de Queen's Blood contre moi. Destinée à redonner du courage aux perdants. Elle résonne dans mes oreilles. Je le savais. Je suis bien un guitariste et un joueur de génie. Grâce à vous, je sens que je vais composer un véritable chef-d'œuvre. Je serai célèbre un jour et je me servirai de ma fortune pour mettre mes parents à l'abri. En attendant que ça arrive, je continuerai de jouer aux cartes et de gratter ma guitare. La 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 la. Cet instrument piquerait-il votre curiosité? Je me présente, Dorian Piazzolla, membre de la société de promotion du piano. J'ai pour mission d'apporter mon modeste soutien aux personnes qui interprètent talentueusement les compositions musicales de ces partitions. Étant donné votre intérêt pour le piano, je compte sur vous pour m'aider à répandre à travers le monde la joie et les bienfaits qu'il procure. Dites-moi. Accordez-moi quelques instants. Salut.
Je m'appelle Michaela et je suis membre de la brigade des jeunes anti-Shinra et du comité de promotion du Queen's Blood. J'ai pour mission de faire connaître ce jeu fantastique au plus de monde possible. Et j'espère qu'un jour, je pourrai utiliser mes cartes pour négocier avec la Shinra elle-même. Si vous voulez m'aider dans mon œuvre, disputez un match contre moi. Avec la violence qu'on apportera la paix dans le monde, mais à travers le jeu, j'en suis persuadée. Camarades, j'espère que vous continuerez de jouer au Queen's Blood lors de vos voyages afin de rendre le monde meilleur. Je compte sur vous.
allons devoir affronter le capitaine. Et on va régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Pire du capitaine. Cherchant mon trésor, j'irai sans fin sur la terre, longue éternité. Brisé par la solitude, seul face à l'adversité. Vous êtes sérieux? Laissez-nous tranquille! Nous protégerons le capitaine coûte que coûte. Si vous approchez, nous serons sans pitié. On a une mission à remplir. À la guerre comme à la guerre. Je n'aurais pas réussi à découvrir sa véritable identité. Dommage.
J'imagine qu'on ne reverra plus ces combattants. Justement, à ce sujet, j'ai décidé de tester quelque chose. Je ne sais pas si ça pourrait être aussi motivant que l'a été leur capitaine, mais je vous présente ma propre version de Fort Condor. En appliquant le système du simulateur de combat au processeur interne du plateau, j'ai fait en sorte que les combattants puissent réfléchir et agir de façon indépendante. À condition, bien sûr, qu'ils en aient eux-mêmes la volonté. La prochaine fois, j'espère que nous serons dans le même camp. Tiens, je te laisse garder la proto-relique. Et va pas te la faire voler. Je suis où ? Voyageur errant, perdu sur le pont reliant l'espace et le temps. Capitaine ? Tu as acquis un objet qui m'appartient. J'attends de toi que tu me le remettes de ton plein gré, séance de demande. Pas question. À ta guise, il me faudra donc le reprendre de force. Mon intuition ne m'avait donc point trompé à ton sujet. Tu ne me laisses pas le choix! Chadley, tout va bien. Ah, désolé, je me suis un peu emporté. Ça alors, tu réagis pas tout le temps comme un robot finalement. Je détecte chez moi un certain agacement à l'égard de votre plaisanterie. Quoi qu'il arrive, je me débrouillerai seul. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Entendu. Je vais quand même améliorer les mesures de sécurité pour la suite de nos recherches.
connaît ses activités, j'ai accouru ici. Si vous comptez voyager, n'hésitez pas. Nos chocobos vous emmèneront partout où vous voudrez. Yeah.